Forcément méga spectre. Bon, on va être 3, ça va être un peu short, mais fort à parier que d'autres personnes arriveront. Alors, qu'est-ce qu'on va voter? Qu'est-ce qu'on va voter? Pour une reprise sympa, votons Animal Crossing, je pense. Comme ça, on reste dans le thème. On reste sur des choses qu'on connaît. Je viens de comprendre grâce à toi qu'Wario disait cheater. Ah oui. C'est comme, c'est sur quoi qu'il y a eu un super débat, je crois. C'est genre Mario 64, je crois. Mario Kart 64. Où les gens étaient persuadés qu'il disait I missed quand il avait perdu. Alors qu'en fait, Wario était à la base prévu comme personnage allemand pour Mario Kart 64. Enfin, il était prévu qu'il soit en allemand. Et du coup, il avait été doublé par un doubleur allemand. Et il avait dit, oh là là, il avait dit So I'm missed. Je veux dire, fais chier, globalement. Enfin, fais chier. C'est raté pour So I'm missed. Voilà. Voilà, voilà. Pour la petite histoire, pour la petite trivia autour de Wario. Si jamais vous aviez envie d'une trivia autour de Wario. Et si jamais vous ne l'aviez pas, bah, c'est bien fait pour vous. Oh non! Non! Ah, quel échec complet! Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai freiné dans le mauvais sens, ça a fait un coup chelou. Hit or miss, I guess. Why you never miss? Why you never misses? Tout à fait. Putain, il va vite, la miniature. Alors. Bonsoir, Noir, comment tu vas? Bon, moi j'ai pas réussi à balancer mes carapaces vertes. Putain, la banane de merde. Ok, c'est par ça qu'elle s'est voir la dernière fois, Yumu. Hello Curie. Si seulement chargeur Wii Gamepad était fonctionnel, je pourrais jouer avec vous. C'est sur la Switch, espèce de patate. Oh, c'est pas vrai. Ayumu, elle a vraiment une étoile là. À l'instant là. Ok, ça va être compliqué cette course. Ça va être compliqué du coup. Ça va être compliqué parce que Ayumu elle a pas coupé, voilà, c'est ça. Ouais. Chier, j'aurais eu le truc dans l'autre sens, ça aurait été bon. Si seulement j'avais racheté MK8, j'aurais pu jouer avec vous. Et oui, dommage. Ça va, Noir, je te remercie. Ça va, ça va. Il y a Monsieur Riziti, ouais. Il vient t'engueuler quand tu rates. Alors. Bon, et ben c'était pas très très convaincant cette première course. On va partir sur un autodome royal de mon côté. Il est très bien en minuscule son pseudo Noir. La musique de cette course est sympa aussi. Globalement, ils ont bien foutu, ils ont bien fait les musiques de Mario Kart. Bonsoir Rubidor, comment tu vas? Les musiques de en vrai, ce Mario Kart est quand même très réussi. Globalement, hormis les petits bouts de texture qui clipent dans le dos de Wario, franchement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Chaudement, et vous? Bah écoute, pareil, putain, je pue du fion, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça passait couper ce truc, mais en fait pas du tout. Oh là là, c'est grave ce que je fais là, hein. C'est grave. Allez, la reprise, c'est la reprise, c'est normal. C'est la reprise, c'est normal. Oh là là. Ça ne va pas du tout ce que je fais là. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, ça ne va pas! Qui s'amuse. Wario n'a pas sa lutte de motard, ce jeu est raté, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, ils auraient quand même pu foutre. Ils auraient quand même pu foutre un Wario motard, ça aurait été plus raccord dans Mario Kart, mais bon.
J'imagine qu'il leur fallait le Wario de Mario, le Wario de Mario avant, avant d'avoir besoin d'un personnage venant d'une, d'une licence. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? À la base, Mario Kart, c'est plus Mario que Super Smash Kart. J'ai eu Ayumu ? Incroyable. Finalement, ma game n'est peut-être pas si, ma course n'est peut-être pas si cursed. Elle est pas loin devant. Le skin date de Brawl, ça aurait été cool. Hein. Oui, mais encore une fois, voilà, on est vraiment dans Mario Kart, pas dans Super Smash Kart. Wario n'est là que parce qu'il a eu une... il a eu une love affair avec Mario. Mario Kart, ça manque de skin. Il y a quelques persos qui en ont. Je suis plus du fond, hein. C'est incroyable, je suis plus du fond, là. Mais je suis loin derrière, c'est ouf en vrai. Comment ça se fait que je les rattrape pas du tout? J'avais dû prendre une config de cartes qui accélérait la fois parce qu'on était plein, mais là vu qu'on est 3, ça marche pas. Ça doit être ça. Et le fait que je suis plus fion aussi, hein. C'est pas exclu. C'est dommage. Dans WarioWare, il me semble qu'il est devenu le moteur. Bah, je sais! C'est infernal, vous m'écoutez ou pas quand je parle? Floguet, salut, excuse-moi, j'ai pas vu ton arrivée. Mario Kart, ça manque de Joker, exactement. C'est bien ce qui me semblait, Curry. Non, mais j'ai eu un doute, laisse pas un instant, mais... On préfère s'écouter entre nous, appelle-moi Flo. Ok. Au lieu d'avoir des clones, les skins, ce serait plus cool, mais je pense qu'on aura un Mario Kart 9 sur Switch. Non, je pense pas, oui, pardon, non, je pense pas, oui. Oui, je pense pas non plus, ouais. En fait, le problème, c'est que Mario Kart 9, il faudrait qu'il soit vraiment très différent de Mario Kart 8. En fait, tant que Mario Kart 8 se vend, ils ont aucun intérêt à faire un Mario Kart 9. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je t'aime beaucoup, bah merci. Ça fait plaisir. J'adore les viewers qui m'aiment. C'est les meilleurs. Oh non, Ayumu. Voilà. Ça suffit. Carapace rouge, ça marche en reculant. Non, non, les carapaces rouges en reculant deviennent des carapaces vertes plus lentes. MK9, il sera neuf quand il sortira. Curie, t'es le pire pour faire ces vannes. J'aurais dû mieux timer cette carapace verte. Hein? T'es sous Cheat Engine, Arthur, ou ça se passe comment, là? Oh non, c'est pas vrai. Bien, ouais, Jayumu. Comment ça se fait que t'aies pas été ralenti par cette carapace... par cette carapace rouge, mon cher Arthur? Comment ça se fait que tu l'aies mangé, mais que t'aies gardé une vitesse constante alors que t'as pas utilisé ton champignon? Just asking. C'est quand que tu vas faire du Pokémon, Floguet, le jour où ils remettront des développeurs sur la licence. On t'aime tous Pocket, même si tu payes pas les modos. Quand ils remettront des développeurs sur la licence, Flo. Merde. D'accord, bon, j'ai du mal voir. Comment ça, Guimauve? Comment ça, Guimauve, quoi?
Comment ça, Guimauve? J'ai dit Guimauve? Ça va pas. Ça va pas. Si j'ai dit Guimauve, je m'en excuse. Oh là! Bah dis donc. Sympa les premiers rebonds là. Enfin, décidément, hein, mon niveau sur Mario Kart s'est clairement détérioré. Hein. C'était énorme! J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi dans ce virage, sans déconner. Ah ouais! Ah mais oui, c'est toi, Floguet, qui est arrivé et qui m'a dit que tu m'avais suivi à la CPF à l'époque. Oh là, je sais pas. Waouh, il faut partir chercher loin. Tu sais, ça fait 5 ans. Forcément, mon niveau snapping est ultime, exactement. Ouais. Forcément, à mon âge vénérable. Putain de. Et je fais toutes les. Je suce toutes les bordures là. Je suce les bordures. C'est énorme. Je suce toutes les bordures. Donc ouais, désolé Flo, hein, si t'es vraiment là pour du Pokémon, malheureusement, tu arrives 5 ans trop tard. Ça te fait quel âge? 27. Je vais sur mes 28. Attends, Ryumu t'es tombé? Ah non. Mais qu'est-ce que je fais? Allez, on va y arriver. On y croit. À force de jouer sur Rocket League, on sait tout conduire. Je pense que c'est pas ça, Curie. Check complet. T'es sûr de cette voiture? Je suis pas sûr du tout de cette voiture. Mais je suis pas sûr non plus de ma conduite, hein, Mega Spectre. Globalement, là. Globalement, je suis pas sûr du tout de ma conduite. Hein. Je suis pas sûr du tout de ma conduite, je suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. Si on a d'autres viewers qui veulent venir jouer, hein, bien évidemment, le code ami est ici. Vous m'ajoutez, eh bien, vous avez l'occasion de rejoindre la salle. Alors, en attendant, moi, je vais effectivement changer de voiture parce que ça ne va pas, hein. Ouais, bah, forcément. Pourtant il y a une bonne vitesse là-dessus. Qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai fait? Bon, c'est certainement ce modèle déjà qui ne va... Putain, mais oui. Déjà je crois me souvenir que je joue avec un truc comme ça, je crois. Donc on va essayer de trouver un truc avec des stats un peu similaires mais qui soit plus funky qu'une Volkswagen. Qu'une BMW, pardon. Ah, mais j'ai eu ça récemment. On a la moto. Ouais, mais les motos, c'est chiant parce qu'il faut avoir les bonnes motos. Ah, mais il y a ça qui est rigolo aussi. Voilà, très bien. Ok. Putain, j'ai de ces trucs, les vieux, je savais même pas que ça, je l'avais eu récemment. Toi, tu rails la BM. Je raille pas, mais je préfère jouer avec des trucs plus funky, plus fun, plus rigolo. On va essayer de mettre de la maniabilité et de l'adhérence quand même. Allez. Un peu débile avec le Midayumu là. The Fun Mobile. Bonsoir portugais, comment tu vas? C'est-à-dire The Fun Mobile. À propos de Fun Mobile, les viewers, j'ai découvert un super jeu. Ça s'appelle. J'arrive toujours pas à retenir le nom de ce jeu. Un truc genre Buried. Buried. Buried.
Alors attendez, on va y arriver. Non, j'ai repris plein de donuts, fait chier. Buried Bones. Et c'est très chouette. Ça fait très vieux RPG. Je pense que je vais join, juste pas tout de suite. Ok, d'accord. Trophée en bronze, pas mal. En parlant de CCPF, j'ai regardé tout ton premier match. Et le sweep de Charizard X est écrit m'ont foutu les frissons. Ah, oh là là, mais il y a vraiment des gens qui regardent encore ça. C'est une référence à une chanson obscure. Merde. Oh, le bruit de cette bagnole. Oh, ça va pas du tout. Oh, ça va pas du tout. Je suis encore moins sûr. Oh putain. Je suis encore moins sûr de celle-là que de la précédente. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce taco? Attendez, mais je suis vraiment censé avoir une grosse vitesse de pointe là-dessus là? Le Kirby like. Oui. Écoutez là. Egg. Tu veux avec une roue crevée, mais j'en ai aucune idée. Là je vous le dis, c'est très grave. Putain, mais j'ai aucune pièce, c'est pour ça que je suis loin derrière. Monsieur, je crois que vos meilleurs soucis. Ah non, elle passe pas le contrôle technique celle-là. Hein. Oh non, vraiment la carapace rouge du cul au milieu de la. Double perte. Double peine au niveau des. Triple peine au niveau des pièces. Pareil au mou. Très beau calcul. Ce kart est plus grand que mon appart. Pizen Gang. Pizen Gang. Il faudrait faire une chanson comme ça. Les deux ont bouffé là, non? J'ai foutu Ayumu dans la flotte! Vengeance! Pardon. Je suis déçu dans mes souvenirs, la carapace bleue était roi du sol. Et ben moi aussi. Je peux m'en occuper de faire un son Pizen Gang. Faut juste qu'il fasse moins de quoi? De 2447 degrés pour pas que mon PC chauffe. C'est mon champi. Ah d'accord, ok. Ok. Franchement, tu sais, tu fais un espèce de Gucci Gang, mais inversé, tu sais. Je pense à des champs durés, c'est une mauvaise idée. Bonsoir Auron, comment tu vas? Tu regardes le sport à la télévision? Pas du tout. Je n'ai pas la télévision. On tourne plutôt sur du Netflix, nous. Netflix, Switch, YouTube, le trio. Je suis toujours à zéro pièce, c'est un scandale. Ouh, c'est un énorme scandale. Ma conduite aussi est un scandale. Ma conduite est un scandale, mais ça va aller, je vous jure. Je vous promets une amélioration soudaine et immédiate. Très bientôt. Merde, je suis off timing. Fais chier.
Est-ce que je vais réussir à l'avoir celui-là, vous pensez? Attendez, je sais pas comment est-ce que je le faisais. Voilà, forcément, j'ai bouffé l'arbre du cul. Et voilà. Ah! Je savais que je le prenais, mais que c'était risqué, ce truc. Forcément, le mec essaie de faire comme dans sa jeunesse, mais tu sais, c'est un peu le vieux, tu sais, qui te dit « Ouais, non, mais j'arrive encore à danser comme s'il y avait 20 ans. » Pas du tout. MDR. Voilà, donc là, c'était évident. Là. J'ai vu qu'à la fin, que c'était pas un champi qu'elle avait, mais... Oh, les boules. Elle a vraiment une étoile, là? Il y a une justice dans le jeu, ça se passe comment? Non mais Ayumu! Bonsoir ma Pixie, bonsoir, comment vas-tu? Bienvenue. Comment allez-vous, mon impec? Je suis en vacances pendant quelques jours. Ah, nice! Tu mets la tata dans autres joueurs? Pas trop, non, moyennement. Stokomanie, pas d'accalmie et du pain, je mange que de la mienne. Pas mal. Il y a de l'idée. RPZ de la classe moyenne, le gang habillé en Kiabi en Célio. Et est-ce qu'il y a pire que ça? Il y a une marque aussi qui est pas chère du tout là. Attendez. Puis alors eux, ça doit exploiter de l'enfant chinois à fond. Comment ça s'appelle? C'est pas Monoprix. Ils ont un truc à Lyon là. Merci pour ton follow, MyPixie. Bienvenue. Les vêtements Leclerc. Non mais je pense qu'il y a pire noir en vrai. Parce que les vêtements Leclerc, ils doivent avoir une filière française, tu vois. Je pense. Non mais il y a pire. Attendez. Primark. Tati c'est pas pareil. Tati c'est un magasin de tissu et pour le coup c'est de la qualité. Enfin c'est de la qualité. C'est des tissus quoi. Primark pour le coup tu vois c'est vraiment mais tu vois genre là comment est-ce qu'il fait pour aller si vite d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que nous? Quelle technique obscure utilise-t-il? Je ne comprends pas. Parce que là il n'y avait pas de mur, je me suis pas mangé de truc, rien du tout. Tu vois, genre là, comment il sort aussi vite? Il va à la même vitesse que moi. C'est ma caisse. Désolé, Aemo. C'est ma caisse. Ça me perturbe. Ton carte, le dos, c'est W. Ah, avec les yeux, tu veux dire? J'ai bien fait gaffe. Oh là là, par contre là c'est ma conduite, là c'est désastreux. C'est désastreux. Mais c'est horrible. Ayumu elle est derrière moi, elle se dit non mais c'est pas possible, je vais pas le dépasser. Il a trois carapaces rouges. Je vais attendre que ça passe. Mais le truc c'est que tant que je les retiens. Ah oh là là, ça va pas du tout, mais je conduis vraiment comme une tub hein. C'est une emoji très mode ouhou. Oui, on est sur un ouhou carte, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, oui, hein, c'est un ouhou carte hein, globalement. Ah, c'est bon, elle l'a plus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais je me mange absolument tout, c'est dégueulasse. Ok. Ok, je vais manger une carapace 2, vous allez voir, je vais regretter d'avoir utilisé deux klaxons que j'ai eu. Attends, mais comment il fait pour être au niveau d'Ayumu alors qu'il a... Bonjour Mortal Kint. Bonjour. Le code c'est il faut m'ajouter en ami. Je crois pas qu'il y ait de code sur Mario Kart, hein, ça me dit rien. Des bisous Arthur. Des bisous. Le jeu nous jamais emploie mais toujours au Pôle emploi.
y a de l'idée. Oh, c'est bon, j'arrête, promis. J'ai envoyé de nos bandes. Yes, pas de soucis. On va juste faire ça à la fin du match, à la fin de la prochaine course que je vais faire seul avec Ayumu du coup. Tu peux mettre un code si tu fais du multijoueur en mode tournoi. Ah. Ah bah écoute, c'est pas encore ça, mais attends, je vais leave du coup. Attends. Je leave Ayumu. On va refaire la salle du coup pour qu'il y ait des gens qui arrivent. On va, ça va arriver. Je t'ai envoyé une demande. Yes. Et ben Mortal Kin, tu as mon code ami, donc n'hésite pas à m'ajouter si tu veux. Si tu veux pouvoir venir. Attends. De même, ouais, c'est parce qu'Arthur est parti au milieu de la session. Alors attendez, j'ai reçu des invitations de qui? J'ai reçu une invitation de Mathilde qui vient d'arriver. On va accepter. J'ai également reçu une invitation de l'ami Zach qui est passé samedi dernier sur sur Animal Crossing que je vais accepter plus tard. Pour l'instant, on va prendre le temps hein, de le connaître, le monsieur. Let's go. Alors, on refait. Du coup, tu dis en mode tournoi, il n'y a pas besoin. C'est ça? Oui, mais le problème, c'est que tournoi, c'est un tournoi avec des points et tout. C'est chiant. C'est ça? Yo, c'est boys. Ah ouais, non, ça, c'est méga chiant. Non, non, vous m'ajoutez en cas d'ami. Hein. Au moment, on n'est pas là pour... Hein. On n'est pas là pour être ici, hein. À un moment, on n'est pas là pour être ici. Alors attendez, moi, ça me donne une excuse pour changer de carte aussi, parce que là, mon carte qui était bon pour la casse, ça va pas du tout, hein. Alors, il faut qu'on maximise, je pense, la maniabilité des viewers. Celui-là a l'air pas mal. La petite coccinelle, au sens littéral du terme. Parce que là vraiment mon souci c'est la maniabilité. Ah mais attendez le petit scooter là. Voilà Wario et son scooter. Nickel. Alors attendez par contre après il faut qu'on ait quand même une vitesse un peu délirante. Il faut qu'on mette des trucs en vitesse tu vois. Oh, les roues dorées mais voilà c'est ce qu'il nous faut c'est le bling. Ah alors ça c'est pas mal aussi. On reste sur un thème Wario du coup. On perd en adhérence mais on gagne en maniabilité hein, par contre. Ah mais l'adhérence ça va pas du tout là. Attendez. Là on perd trop en vitesse. Là, on perd trop en maniabilité, mais c'est rigolo. Parce qu'on a des roues de Monster Truck. Les roues en or sont bien. Hein. Les roues en or sont bien. Les roues en or sont carrément bien. Bon, et là, maintenant, il faut qu'on prenne un truc avec de l'accélération de ouf. Ok, bon, je pense que, globalement... Voilà, ça, c'est bien, ça. Bon, on a déjà plus de maniabilité, un peu moins d'adhérence, mais ça devrait être pas mal. Voilà, voilà. Et Akitouronron qui nous raid. Bonjour. Bonjour, Mister Akitouronron. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Bienvenue à Toto Château, Clara Dream, Quentin Leouf YouTube. Merci, Auron. Akitouronron, pardon. Saronron, bienvenue les ronronneurs. Marwan, salut. Salut, Akinon Oust. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Aki nous... Laurine Pokéchou, bonjour, bienvenue, bienvenue, salut. Comment tu vas? Alors attendez, j'en profite pour remettre le code ami pour éventuellement les gens qui veulent nous join ce soir. Merci pour vos follow, Marwan et Rowai. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue à Ronronnerie. Je te fuis, Aki. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas, Aki? Comment tu vas? On est sur Mario Kart. Vous étiez sur quoi, vous, avant? Du côté de chez Aki. Bon, en attendant, on va relancer vite fait une course. Éventuellement s'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre ce sera après les enfin entre les courses bien évidemment. Bienvenue à vous en tout cas, merci beaucoup encore une fois à qui pour ton raid. Je vais ouvrir la fenêtre, il fait super chaud. Et il fait chaud dehors ou pas? Non, attendez. Ah Sarah, s'il fait si chaud dehors, on va pas ouvrir tout de suite. C'est affreux. C'est la canicule, il fait si chaud. Mario Kart aussi. Je vais manger. Bye Toto Château, merci d'être passé. Merci d'avoir accompagné le raid de Aki Touronron. Je vais l'appeler Aki quand même. Je t'appelle Aki, ça te va? Ça va? Alors, on est 32, on va peut-être être payé. Ah. Mario Kart, il tryhard chill. Ouais, tryhard bien sûr. Moi je suis à fond. Mario Kart, tu sais, je suis vraiment la performance. Lui dites rien, les viewers, il va s'en rendre compte, je pense. Je vais pouvoir mourir avec 15 enfants en bas âge. Ah. Ah là là là. Un jour pour tester. Un bon jour pour tester les températures d'une nouvelle CG. Tout à fait, c'est boys. J'ai vu. C'est pas hier que tu l'as. Merde. Oh. Le départ nul. Alors que Mathilde et Ayumu ainsi que Link sont en pole position.
tout à fait. Du côté du streamer français, on pue du bec avec un départ raté. Heureusement, on se rattrape un tout petit peu grâce à cette magnifique Vespa aux roues en or conduite prudemment. Ça passe mal, hein. Ok, ça va le faire. J'ai vu la demande d'Ami, on va accepter ça à la fin de cette course. Oh là là, je reviens tout à l'heure. Ok, Toto. Bon appétit à toi en tout cas. Bon appétit à toi. Hop, petite carapace en arrière, ça a raté. Bien évidemment que ça a raté. Ça va toucher ou pas? Pas du tout. Ça ne touche pas du tout, ça ne touche pas du tout. Ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Ouais, un peu space cette musique là. Est-ce que la musique est trop forte, les viewers? Parce qu'on fait les réglages Persona 5 ou les. Vu qu'on plein de Persona en ce moment, les réglages console sont réglés Persona 5. Et donc, forcément, vu que les viewers entendent jamais la musique. Putain, c'est pas vrai, je suis en train d'être dans le sillage de Mathilde et de tout rater. Je rate ma course. Laissez le streamer devant par contre. Un peu fort, yes. Je vais baisser. Je m'en rends compte maintenant parce que là, effectivement, celle-là vraiment elle braille. Hein. Attendez, j'attends la ligne droite. J'attends la ligne droite. J'attends la ligne droite. DJ. Voilà, ça va un peu mieux. Ah, non, mais c'est pas vrai par contre là, les carapaces. Oh, non! Je savais le prendre à une époque, ce virage, je ne sais plus depuis. Ah ouais. Ah, je me fais vraiment bizuter quoi, c'est vraiment ouf. La bobon va avoir. Putain. C'est le saxophone. Je sais pas. Non, mais là, je me fais éclater là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je tombais comme un glandon et après une bizute quoi. Alors attendez. Attendez, parce que Ayumu elle garde sa première place là. Elle la jalouse. Oh, instantanément perdu mon accélération à cause d'un brin d'herbe qui dépassait de la route. On s'en veut à mort. Ayumu va me griller là avec sa carapace rouge. Il faut que je fasse un truc. Faut que j'ai une bombe dans ce truc là. Oh là là. Elle a tout lâché! Elle a tout lâché! C'est le moment! Non! Ah! Ah! Non! 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 Ah, l'échec complet! Oh! J'ai pas une seule fois j'ai réussi à le reprendre. Hein. La rentrée, mais là, tout à fait. Oh là 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 là! Je me suis fait défoncer. Alors attendez. 2 secondes. C'est quoi ton code ami? Il est ici, Quentin. On va accepter les demandes d'amis. Oh, l'échec complet de la fin. On a Aki qui vient jouer avec nous. Il va m'éclater la gueule. C'est ça. Par contre, moi, je suis nul, sérieux. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Moi, si je peux avoir quelqu'un qui est un petit peu derrière moi, tu sais. Genre, pas trop devant. Là, la fin était très triste, là. Comment est-ce que ça se fait que j'arrive plus du tout à le prendre, ce virage? Comment se fait que j'arrive plus du tout à le prendre, ce virage, vous pensez? Il y a un souci là avec mon virage. Il y a un gros souci avec mon virage. Il y a un souci avec ce virage et j'arrive pas à savoir quoi. Comment est-ce que je le prenais avant? Mais si je le prenais en dérapant comme ça en plus. Je vieillis, bien sûr, ouais. Non mais ça c'est évident. Ça c'est évident ça. Ah, on a Ruby qui nous a rejoint. Ce Ruby qui serait là, il exploserait tellement, il adore ce truc qu'on comprend pas. De quoi? Il adore ce truc qu'on comprend pas. De quoi? J'ai pas compris. La sénilité fait des ravages. Ah bah là oui, pour le coup, ouais. Je pense que l'adhérence n'est pas encore idéale. Hein. Je pense que l'adhérence n'est pas encore idéale. On a une demande d'amis supplémentaire qu'on a vu passer. En fait, je pense que la maniabilité est bien, mais niveau adhérence, peut mieux faire. Oh non! Non, non, ça je suis pas d'accord. Je dis non. Je dis non de tout mon être. Par contre, j'ai plus d'item, donc c'est l'angoisse. Non! Et voilà, forcément, donc là, on atterrit dans le bas-côté. Et on se fait rattraper. Remarquez, là, je suis... depuis cette nouvelle fournée de joueurs, là, putain, plus constamment souvent devant. Mais c'est juste que ça dure pas, quoi. Alors, attendez, Ruby. Ruby, bonne surprise. L'a-t-il vu venir? Il l'a vu venir. Ok, la pièce... La pièce, c'est mauvais quand même. Hein. Ok. Marwan, que dis-tu? Il faut que tu gagnes, car c'est notre projet. Ah oui! Carrément, ça sent la campagne présidentielle à base de Mario Kart.
suis méga concentré. Je sais pas si ça se voit les viewers, j'ai complètement laissé tomber le chat. Je suis à fond dans cette course, je dois gagner. Je dois gagner. C'est la seule issue. Ça se bat derrière moi. Ça se lance tous les objets du fion. Ok. Je suis hyper concentré mais j'ai que des pièces. Forcément la course où je suis... Oh, non ! Je pue la merde, je pue la merde. Heureusement la carapace bleue me sauve. Rubidor il aura été premier une fois dans la course et il aura perdu sa place de premier à cause d'une carapace bleue qui m'était destinée. C'est honteux. C'est un scandale. J'aurais peut-être dû garder ce champi pour que t'es ici là. Ouais, clairement. Clairement. Non, ça passe là, attendez. Non ! Et voilà. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout ! C'est deuxième. C'est deuxième. C'est deuxième derrière Mathilde. Bien joué Mathilde. Bien joué. Alors attendez, on pense à valider les demandes d'amis. On en a vu passer une. Voilà. Continue, tu es ajouté. Oh la haine. La haine derrière cette course. Rude, coucou, comment tu vas ? Alors attendez. Je viens de constater que Linkling ressemble à Futaba. Je crois que c'est l'inverse. Je sais pas s'il y a eu une inspiration ou pas. Quand j'ai nul, c'est vraiment nul sérieux. T'inquiète, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. La sérénité rend greedy. Pourquoi la sérénité rend greedy? Non, là, pour le coup, je pensais que j'avais un cut, mais je suis allé trop rapide. Je pense que c'est les roues en or, les viewers. On s'est planté sur les roues en or, ça va pas. Ça glisse, les roues en or. C'est de l'or. Vieillir augmente les chances de choke. Mais non, en plus. Non, 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 non. En vrai, le volcan, en plus, c'est vraiment un truc que j'aime pas. C'est une map que j'aime pas. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que cette adhérence de... Ah non, il y a un problème d'adhérence, les vieux. Regardez comme je pars dans le virage. J'ai juste demandé à déraper. Non, mais ça ne va pas. Non, mais j'ai un souci d'adhérence, là. J'ai un vrai souci d'adhérence. Vous avez vu comme je suis parti dans ce virage ? Non, mais ça ne va pas du tout. Attendez, regardez. Normalement, je suis censé avoir une... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce virage ? Mais qui s'est passé? Ah, ça parle de Surt, c'est ça? Sixième, je le vis bien. Bon, allez, on va y arriver. On va se refaire, les vieux, on va se refaire. Parce que là, en attendant, Quentin qui a dit qu'il était super nul, il est devant moi, je crois, hein, s'il est là. Hein. Oh là là, la carapace a fait un demi-tour de terrain. Elle a tellement fait un demi-tour de terrain qu'on l'a... Vraiment là? Vraiment là? On va se refaire pas du tout, on va se refaire du cul là. Après un truc pareil. Oh là 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 là. L'angoisse de cette course. Allez, l'avantage c'est que vu qu'on est dernier, on va forcément choper des items de ouf. Voilà. Comme ça, très exactement. Non mais regardez, 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 regardez. Regardez, regardez. Ok. Et là, on y va. Tu live tous les soirs. Quasiment, ouais, Marwan, ouais. En ce moment, on fait du Persona 5 Royal et des jeux multi. Et du Animal Crossing le samedi matin aussi. Allez, on y croit. C'est mon droit, c'est ma chance. Ok, j'ai vraiment cru que cette étoile allait me lâcher au pire moment. Tout va bien. Allez, on y croit, on est cinquième. Aimo est juste devant nous. Ça veut dire que je suis pas le seul à être dans l'angoisse dans cette course. Faut pas déraper ici, qu'est-ce que je prends là? Ok, c'est bon. Allez, Aimo. Désolé, mais je prends ta quatrième place. Pas le choix, hein. Pas le choix, vraiment désolé. Ok, ça allait pas du tout cette course. Ça allait pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'essaie de reprendre là.
Oui, donc Marwan, ouais, la prog est dispo sur Discord et sur Twitter, mais également dans la description du stream. Et tu vas voir un petit fanion qui défile ici de temps en temps avec la prog. Tu vas voir les jeux qui nous restent à faire cette semaine. Donc là, ça t'annonce que ce soir, on fait du Mario Kart. Tu vas le voir, il va s'afficher de temps en temps là. Ça va te dire ce soir, 21h-23h, Mario Kart 8. N'hésitez pas à clipper, bien évidemment. N'hésitez pas à clipper la vieillesse. N'hésitez pas, il faut clipper. Et donc demain soir, Persona et puis samedi matin, Animal Crossing. Du moins, c'est ce qui est prévu. Alors, les viewers dans le scope, c'est rajouté mon petit frère qui débarque à Lyon là en pleine canicule Corona. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on gère ce truc. Mais mon petit frère débarque à Lyon jusqu'à dimanche. Donc, je sais pas quand, mais il y aura certainement un moment où. Il va falloir qu'on peut-être qu'on fasse sauter un stream. C'est pas. Légèrement trop tôt. C'est pas garanti. On vous tient au courant. Là, je. Putain, j'ai même pas fait la figure, ça ne va pas du tout. Oh là 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 là, non mais là, je. Boomer à PM là. Bon après, moi j'ai l'excuse, les autres ils jouent pas avec un setup fond vert. Quoi. C'est ça mon excuse de gueux ce soir. C'est mon excuse de gueux de la soirée, ok? Choke sur tous les jeux. Comment ça, choke sur tous les jeux? Je choke pas sur Persona, hein. Et merci Megaspectre pour ton sub tier 1. Deuxième mois d'abonnement de Megaspectre au milieu d'une course, clairement. Clairement dans un but de nous déconcentrer et de nous faire perdre. On l'a vu. Malheureusement pour toi, le motion gaming peut se faire avec Mario Kart. Enfin, n'est pas pris en compte par Mario Kart 8 Deluxe. Donc on peut motionner sans gamer. Ok, ça pue. Ça pue ce que j'ai fait, mais j'ai bien rattrapé mon coup. Barrage de boule de feu. Voilà, Yumu passe pas. Clairement pas. Double boule de feu sur Ayumu, j'ai piqué toutes ses pièces. Et la carapace verte qui passe en rasmote juste à côté de nous. Tu vois, Curie, elle est en rasmote la carapace verte, mais elle se lève au dernier moment, comme disait Ruby. Et elle va aller chercher directement le Waluigi de Haki. Alors. Voilà. Le bout de la honte qui va aller voler, voilà un klaxon. N'hésitez pas à balancer les carapaces bleues à qui n'a plus de klaxon. Hein. Ça c'est l'échec par contre. Tirage pris trop à l'écart. J'ai raté Mario Kart, coucou chichi, mais non on est encore là pour un petit bout de temps, il est quelle heure là? Faites chier aussi à tous vous déconcentrer. 21h48, t'as le temps encore. Hein. Mais en même temps chichi, on a la prog. La prog est là quoi. Franchement, un moment, chichi, fais un effort. Je vais être troisième sur cette course, j'en reviens pas tellement c'est. Oh tellement c'est l'abus. J'ai tout raté, trop de League of Legends. Ah bah oui, oui clairement ouais. Mais mon klaxon, ah bah oui. Désolé hein. Désolé. L'équipe de modération, on est tous des boomers sauf moi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais oh, je suis troisième au classement général! C'est énorme! Merci à qui d'avoir ramené des gens moins forts que moi sur ce stream, ça me sauve. Parce que pour le coup, vraiment, c'était lamentable. C'était lamentable jusqu'à maintenant. Bon, t'as aussi ramené des gens plus forts, mais. Ouais. J'y vais du coup, bisous et bon stream. Merci à toi, à qui encore pour ton raid. Chouettos. Des bisous à toi et à une prochaine. Merci d'être passé. C'était des nice games. La seule qui vient pas du jardin d'enfants dans la modération, c'est Ayumu. J'avoue. C'est vrai en plus, hein. C'est vrai. Après, Noir, il est pas si vieux quand même. Quelqu'un veut me dire comment on fait pour participer à SVP? Bien sûr, tu ajoutes mon code ami, Toto Chao. Toto Château. Pas Toto Chado. Il fait trop chaud, les viewers. Ok, je vous le dis tout de suite. Mon cerveau ne tourne pas à vitesse normale, il fait trop chaud. Voilà, je suis comme Galadruin, au-dessus de 25 degrés. Je fonds. Il choque sur les pseudos, putain, c'est Waze. Fais chauffer ta carte graphique, toi. T'es sûr que c'est de l'eau dans ta bouteille? Je suis sûr que c'est de l'eau dans ma bouteille. Non, mais là, par contre, tu vois, par exemple, ce genre de départ, là, c'est l'abus. Ah là 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 là.
Bah oui, Ayumu aussi en même temps, tu m'as croisé là. Oui, mais après, une fois que je t'ai... Alors, si tu as mon code ami et que je t'ai validé, parce qu'il est possible que j'ai reçu une demande d'invitation et que je ne l'ai pas vu, une demande d'ami et que je ne l'ai pas vu, et que tu sois en attente de liste d'amis, auquel cas je m'excuse et je vais me rattraper, je te promets. Parce qu'il faut que, il faut que les Français le sachent. C'est l'arnaque là, non? Putain, je suis pas passé loin. Pas passé loin là. Et donc oui, je t'ajoute et après tu as juste à rejoindre la game dans tes parties d'amis. Tu vas dans les parties de tes amis et tu me trouves. Inkling touché ou pas du tout? Oui. Il faut que j'arrête aussi, je viens de me rendre compte d'un truc les viewers, c'est que Smash Bros m'a filé un mauvais réflexe. Je gauche-droite sur mon stick. Smash Bros et WoW m'ont filé un mauvais réflexe, je gauche-droite sur mon stick quand je fais rien. Et c'est un mauvais réflexe. C'est un très mauvais réflexe de gauche-droite sur Mario Kart. Vous regarderez dans les lignes droites, je fais des petits gauche-droite de temps en temps, ça va pas du tout. Faut que j'arrête de le faire, mais le problème c'est que ça me demande un effort de concentration d'arrêter de faire des gauche-droite avec mon pouce. Parce que la dash dance de Smash et l'impatience de WoW se sont transformées en n'importe nawak sur les lignes droites. Jeu en ligne, ami adversaire, Pokéchou. Tout à fait, voilà, c'est ça, à partir du moment où je t'ai accepté. Bonsoir Bernagodine, comment tu vas? Ah, je me suis piqué un item, c'est pas grave, on en aura mieux. Tout à fait. C'est raté. C'est raté, c'est vraiment arrivé juste après. Dommage. Gauche-droite sur MK, c'est bien. C'est bien que sur double dash, tu fais du dérapage. Non, mais dans le virage, c'est bien. À partir du moment où tu braques contre braques, c'est cool. Mais en ligne droite, ça, c'est vrai que ça sert un peu à rien, quoi. C'est bon, merci. Nice. C'est validé? J'ai pas de demande d'amis, hein, on est d'accord. Hein. J'ai pas de nouvelle demande d'amis. C'est bon, j'ai pas de nouvelle demande d'amis. J'ai flippé en voyant les 4 carapaces arriver. Ouais. Moi, j'ai eu un espoir. Et non, elles sont arrivées trop tard. Vous savez pourquoi Wario crie son nom dans les boosts? Je pense pas que je crierais mon nom en conduisant dans l'autoroute. C'est vrai, Mega Spectre. Et en même temps, est-ce que tu as... Coucou Nono, bienvenue. Est-ce que tu as des accélérateurs turbo au sol sur ton autoroute? Voilà, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu as des champignons sur ton autoroute? Donc, voilà. Je pense que tu peux pas imaginer ce qu'il ressent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur Blue Dash avec le scratching, faut bien faire gauche-droite. C'est pas snaking plutôt? Horrible le snaking d'ailleurs, heureusement que ça a disparu. Hein. Pratique dérangée là. Vraiment là? J'ai appuyé à deux là, c'est pas juste. Heureusement Ayumu a une meilleure accélération que moi, donc je profite de son aspiration. Avant de pouvoir profiter de, je l'espère, quelques pièces. Voilà, tout à fait. Là, on va cut. Bien évidemment, ici, c'est un cut évident. Voilà, on espère avoir cuté un objet à quelqu'un. Merde, là, j'ai fait de la merde, pardon. Je pue du sexe. C'est bon, tout va bien. Excusez-moi pour cette remarque sur, sur mon sexe. Désolé. T'es trop fort. Clairement pas. Clairement pas. Ouverture. Ouais. Alors. Oh là, ça s'appuie! Ah oh là là! La bombe qui était très bien placée hein, de la part de la jeune Pixie. Voilà. On a tout défaussé, mais on a doublé quelqu'un. Et ça en vaut la peine. Par contre, on a deux pièces et c'est un scandale. Il y a un vocal ce soir. Ça n'a pas été mis en place, mais peut-être. Peut-être, si les gens insistent vraiment pour avoir un vocal. Éventuellement. Si vraiment il y a de l'insistance, mais... Mais là pour l'instant vous êtes pas assez relou pour que je mette un vocal. Non mais allez là. Allez là.
C'est bien triste. Et pourquoi? Moi, je veux pas de vocal. Pourquoi ça m'étonne pas que Ayumu joue Inkling? Bah oui, forcément. En même temps, t'as le choix entre un vieux allemand dégueulasse qui bouffe de l'ail et un perso, le main perso d'un jeu sur lequel t'as passé 1500 heures. Je pense que tu te rabats pas sur l'allemand bouffeur d'ail, quoi, globalement. Hein. Enfin, en tout cas, personnellement, ce serait pas mon premier choix. J'essaie de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Et je me rends compte que j'ai envie de mourir. Voilà, c'est bon. C'est quoi ton pseudo Nintendo? Tiens, celui-là ici. C'est qui l'allemand bouffeur d'ail? C'est Wario. Il y a une petite trivia tout à l'heure à la base. Wario était censé être allemand. Et dans Mario Kart 64, quand il perdait une course, il disait So ein Mist. Ce qui veut dire c'est dommage. En allemand. À la base, Wario était censé être allemand. Et je crois qu'à la base... Bonsoir Alicia, comment tu vas? Il n'était pas censé être doublé par Charles Martinet. Je crois. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Voilà, bon, l'arc-en-ciel, bien évidemment, avec mon adhérence, j'ai envie de me suicider. Hein. On se le cache pas. Là, en fait, je suis en train de me rendre compte que vraiment, la chaleur... comment dire? C'est en train de m'enlever toute joie de vivre. Ce que j'ai fait, c'est bon. Ça a failli être le suicide en direct. Et ben voilà, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce que j'ai tourné en l'air et j'ai pas fait de figure? Oh là là, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Alors, donc nous en sommes à puer du fion. Heureusement, Imu va tenter de côté. Oh, c'est un mauvais plan là. Mauvais bail ce que je suis en train de faire. Très mauvais bail. J'ai dû me rabattre au dernier moment sur la mauvaise option. Forcément. Oh là 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 là. Vraiment, c'est mauvais ces courses. Hein. J'arrive même plus à prendre les sauts en ligne droite. C'est quoi cette histoire là? Non mais vraiment là? Alors que je suis en train de remonter avec un... Putain mais vraiment... C'est l'abus. Ah oh, mais je rate toutes mes figures, c'est infernal! Je me fais insulter là. Je me fais insulter là. Tu joues à Fortnite des fois? Pas du tout, désolé. Désolé. Noir, je te présente le malandrin. Putain, mais c'est une référence à... Ah, le mandarin. Putain, mais ça va pas du tout. Pourquoi est-ce que j'ai eu le malandrin? T'es grave nul, Pokéchou, c'est abusé, j'avoue. J'avoue. En même temps, ils ont mis la route arc-en-ciel, c'est super dur. Moi, je suis pas très fort aux jeux vidéo, donc... Toi, t'as de choc sur ton emote, c'est boy, sois pas deg. Pourquoi tu changes pas tes roues? Je vais attendre la fin de la série 4 là. Tu joues que à Mario? Pas du tout, pas du tout. Nono, j'ai un petit programme de la semaine. Si tu veux aller le voir, il est dans la description du stream. Enfin, dans la bio. Maintenant, ça s'appelle une bio. Dans la bio du Twitch. Ou alors sur Discord ou sur Twitter. Ouais, t'as écrit XQCTL, mais ça a pas fait d'emote. Enfin, XQC. XQCTO. J'ai pas regardé ce qu'il faisait ce monsieur. The fuck. Bah, écoute, voilà. Pire que ça, putain, pire que choke sur Nimo, tu vas avoir choke sur le sub. Horrible. Alors là, enquête par ici, on connaît. Je connaissais, je savais le faire ce cut avant et je sais plus le faire maintenant. C'est terminé. C'est terminé.
sais pas ce qui m'a manqué là, certainement que mon angle de virage était trop vénère. Oh là, mais... Hein ? Hein ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Mais il se passe des trucs, je comprends même pas là. Oh là là, c'est dramatique ce qui se passe là. Ma vie est nulle. Allez. Je crois que ces roues ont pas la... Ok. Alors je crois qu'il y a un souci parce que j'ai un perso lourd, je me fais pousser par Link. Et mes roues n'adhèrent pas au sol. Donc on va se reprendre. Rassurez-vous, la prochaine course ira beaucoup mieux. J'ai crash, sérieux. Ah bah oui, mais là, faut pas être en wifi, les gars. Enfin, faut pas être en wifi avec votre console à des kilomètres. Sur Pocket, tu veux voir ce que fait ce monsieur? Je peux t'envoyer une vidéo highlight si tu veux. Non, mais je saurais trouver excuse, t'inquiète pas, c'est juste que je prends juste pas le temps de le faire. C'est tout, c'est aussi simple. Non, sans déconner, là, j'étais juste passé devant 2 minutes là. Vous pouvez pas me laisser rouler un tout petit peu, tranquille? Ah, genre, j'ai vraiment une carapace rouge. Et une étoile qui m'arrive dessus, quoi. C'est vraiment combo, quoi. Allez, on se rattrape. Donc là, les... Oh là là, mais je fous le choc, là. C'est horrible. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je comprends rien ce qui se passe sur ce terrain, mais vraiment rien. C'est horrible. Link est semi-lourd ou lourd? Oui, non, mais tu mets Link versus Wario? Vous avez vu ce qui s'est passé là? Comment, pourquoi t'as pas le permis? Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé là? Cette fin là? Non mais sans déconner, cette fin! Quelle horreur! Ah. Eh ben Arthur, soigne ton écriture, on comprend rien à ce que tu dis. Le coup de chance sur la fin, ah ouais, là c'était incroyable. Bon alors attendez, non mais parce que là ça va pas du tout là. Cheater, voilà, il est en train de tout résumer, hein, globalement. Bon, on va repartir sur une bécane avec de l'accélération parce qu'on prend plus de vite que tout à l'heure. Clairement. Donc là. Voilà, on va plus repartir sur un modèle comme ça, je pense. L'idéal, ce serait de... Adhérence, pas mal. Maniabilité, 3. Ça, c'est bien, ça, je pense. Et un peu plus de poids. Attendez, est-ce qu'on peut pas mettre la voile en or avec ce truc là? Histoire d'être RP. Si on peut, c'est bon. Tout va bien. À quand Apex? J'en ai fait une fois et ouais, essai non concluant comme tous les Battle Royale avec moi. Collectif Danganronpa, y as-tu joué? Si oui, qu'en as-tu pensé? Je sais que c'est un visual novel, mais je ne sais rien de Danganronpa. Hâte d'être le 4 août. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ça, pour le coup, le 4 août, ça va être un Battle Royale intéressant. Non, mais désolé, Noir. Moi, c'est juste que... Mais non, c'est très bien, Apex. Je dis pas que c'est nul. C'est juste que moi, j'accroche pas. Vraiment, les Battle Royale, je n'y arrive pas. Toi aussi, ton jeu devient dead game. Ouais, Fall Guys, exactement, ouais. Ça va être trop bien. Ça va être trop rigolo, je pense. Donc, à tout, je sais pas, sur 20€ pour Fall Guys. Ouais. C'est vrai que l'avantage, quand même, quand t'as un salaire et que c'est toi qui le gères, bon, en plus, le mien est pas dégueulasse, on va dire. L'avantage, c'est que quand t'as un salaire et que c'est toi qui le gères, tu sais quel genre de budget tu peux allouer à tel ou tel truc par mois. Tu sais, genre, tu sais que ton budget bouffe, c'est tant, et que du coup, t'as tant pour mettre dans des jeux vidéo. Ah bah là, ça va beaucoup mieux, là, ça adhère, là. Bon alors, voilà, il fallait que je le dise pour chier mes virages, mais
Par contre, j'aime pas le fait que ça penche dans les virages là. Toutes les bagnoles font ça ou c'est juste vraiment celle-là parce qu'elle a des roues en hauteur là? Pourquoi est-ce que j'ai balancé ma banane? C'était la pire idée. Et merci pour ton follow. Alors, j'ai pas ton pseudo, Mortal. Mortal Kings. C'est ça. C'est toi. Merci pour ton follow, bienvenue. Enfin, bienvenue. Je sais que t'es in-game, mais je te dis quand même bienvenue parce que. T'as follow. J'ai failli me bouffer ma propre carapace tellement j'étais sec dans mon virage. Incroyable. Cette maîtrise. Bah, mais à Yumu, j'ai des bananes. Aussi là, un moment. Respecter mes bananes. Non! Non! Putain, ce virage de l'angoisse. Oh, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce virage? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que j'ai... Aïe. Vraiment là? Mais... Je me fais bolosser. Que Arthur était devant mais il a pas été touché par la carapace. Trop d'humanité. T'as même pas remarqué que j'étais parti? Ah, j'ai pas vu, non, en effet, désolé. Si vous avez remarqué, je vais arrêter de jouer et je vais me coucher. Bonne nuit à toi, Mortal Kings. Merci, merci d'être passé. Oui, oui, Pixie, ouais. Bonne soirée à tous, Toto Chateau. Il avait fini la course. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je me suis cogné contre lui. Le jeu veut ma mort. Peut-être. Il a dû freiner du coup. Non, non, mais on était derrière lui. On était derrière lui, on s'est mangé et lui il est parti devant. Ils étaient taille quand la carapace est arrivée, du coup la carapace choisit sa cible avant qu'il passe premier. Pas trop Arthur, non. Chouette. Forcément, pourquoi est-ce que j'ai suivi? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé dans mon virage là? Mario Kart, c'est pas un jeu de voiture, c'est un brawl. Bah, c'est vrai que c'est un peu un jeu de... un peu un party game quand même. Après, c'est de la course, hein. Ah, c'est moi qui vais la manger, celle-là. I'm lucky. Ok. Allez, on espère une remontée. Vraiment là? C'est aussi simple que ça, Yumu? Tiens. Quoi? Il se passe des trucs chelous là, on est d'accord? Je suis pas bien sûr de ce que je vois là.
Rond. Ça parle de quel jeu, Sam? Oh, la random carapace bleue en arrière, la random carapace rouge en arrière, la haine. Alors attends, fun fact, si tu manques de vitesse, les bananes, carapaces et autres éléments de terrain qui te font des dégâts n'ont aucun effet. Rouler trop lentement sur une banane, ça ne te fait rien. Oui, mais là, c'était pas le cas. Si ? Il y en a qui jouent à Valorant à la manette. Mais ils sont... Les gens ont envie de gagner, non ? Les gens ont envie de gagner, non ? Pourquoi est-ce qu'ils jouent à Valorant à la manette ? Je comprends pas bien. C'est juste un truc usé à savoir, d'accord, ok. Ouais. Non, mais après, peut-être. En vrai, je pense pas qu'il y ait de pilote fait pour. Enfin, qu'il y ait de couche logicielle fait pour. Noir. Merde. J'aurais dû avoir confiance en fait que le truc est open. Cette piste audio n'égalera jamais les originales. Bah ouais, c'est un peu comme les... En fait, le truc, c'est que c'est un remix qui... Comment dire? C'est pas un bon remix, il dénature l'original. Mais ils avaient ce délire sur les musiques de Hyrule Warrior. Aussi, le coup de la version métal de Zelda. Et c'était assez mauvais, hein. Alors là, c'est pas vraiment métal, mais vous voyez le délire, quoi. Tempo hyper upbeat, des instruments un peu électriques quand on peut, sinon on y va au saxo. C'est en fait, c'est un style de musique qui va super bien avec, avec le délire de la, du terrain F0, mais qui va beaucoup moins bien. Merde, je pue le sexe. Quand je fais ça. Voilà. Et ben j'ai réussi à faire premier sur une course. Incroyable. J'aime bien la musique d'Hyrule Warrior. Ouais. Hyrule Warrior me tente pas mal en vrai, mais j'ai jamais pris le temps de me l'acheter. À chaque fois, j'ai mieux à m'acheter. Non mais sur eux, tu rates rien. Globalement, c'est un mousseau, donc... Il faut aimer appuyer fort sur plein de boutons vite, tout le temps. Et globalement, quitte à écraser des boutons, je préfère écraser les boutons sur d'autres trucs perso. Après, il y a des combos, hein, mais c'est des combos 4 touches, donc En fait, le truc, c'est que personnellement, Hyrule Warrior, je m'étais laissé tenter à l'époque parce que... Il y en a qui le savent peut-être. J'ai kiffé à l'époque Dragonica. Donc c'est comme... c'est quoi ton jeu, celle-là? Le jeu que j'aime pas, là. C'est quoi ton jeu, là? Bref, c'est la même chose, c'est un hack and slash, quoi, avec des ennemis qui arrivent à plein. Sauf que il y avait un principe de raid...
et des boss, etc. Et donc, Elsword, exactement, ouais, Seb, exactement. Et il y avait un principe de raid, de boss, etc. Et c'était chouette. Et là, vraiment, autant il y avait des capacités, des trucs sympas, et je pense qu'Elsword a un peu le même délire. Autant Hyrule Warriors, vraiment, j'ai trouvé que c'était juste du bourrage de boutons. Tu dois trouver un équipement mieux. Comment dire ? En fait, vous savez, c'est ce genre de jeu où, tu sais, ton équipement, il a une puissance, mais c'est un chiffre qui veut rien dire. Tu sais, genre 40. Oui, mais 40 quoi ? Bah, je sais pas, mais par contre, un équipement avec 60, c'est mieux. Tu commences à 40, tu finis à 60, t'as pas de montée, rien, aucun indicateur, rien du tout, et tu dois juste bourrer des trucs. Et le but, c'est d'éclater le plus de mobs. Et plus tu bourres, plus ça éclate. Et personnellement, ça m'avait un peu saoulé. Parce que du coup, j'étais un peu deck. C'est vraiment un style de hack and slash qui me plaît pas, le Musou. Voilà, globalement. C'était tout ce que j'avais à dire sur Hyrule Warriors. Et en plus, le scénar est pas très inspiré, du coup. Genre le coup des timelines qui se réunissent pour... Ah mais merde, c'est quand même un Yomu qui l'a eu. Le coup des timelines qui se réunissent pour réunir tous les univers de Zelda et pouvoir faire du fanboy, c'est pas génial. Hein. Et le pire, c'est que c'est vraiment la partie qui leur manque pour être canon niveau scénario, dans les niveaux timeline dans les Zelda. Donc, perso, j'aime bien, après c'est mon avis. Oui, pardon, excusez-moi, encore une fois, je le répète, je dis pas c'est de la merde, je dis que j'aime pas. Encore une fois, hein, vraiment, faites comme vous voulez. J'ai crash, bon bah je pense que ça veut dire que c'est top pour moi, je vais m'entraîner. Merde, j'ai lâché, je vais m'entraîner sur les maps en solo, je vous dis bye. Bye, Pixie. Merci d'être passé. Bah pourtant t'es encore dans la course. C'est le Monopoly que ça fait rond. Vous savez que je l'ai eu ce Monopoly. Honte à moi, c'était un cadeau de Noël et j'ai jeté pendant le dernier déménagement parce qu'on avait des cafards. C'est mon bot, ah ok d'accord. Pokémon c'est pas dead mais bon, Elsword c'est dead, Paladin c'est dead, Overwatch bientôt. C'est Boris, faudrait penser à avoir un exorciste. Pokémon elle est dead comme série Curie. C'est une série qui est morte vivante, y'a plus personne pour l'entretenir, elle continue de tourner mais on sait pas comment est-ce qu'elle fait. Quand tu crashes sur Mario Kart, tu es remplacé par un bot des fois qui joue mieux que toi. D'accord, ok. Ok, ok, d'accord. Et voilà, et donc globalement... Alors attendez. Voilà. Je veux une meilleure tenue de route en fait. Je vais plutôt prendre ça. Connaissent CTGP? Non. Puis alors l'abréviation m'aide pas du coup. L'IA c'est ce qui manque à Splatoon quand tu crashes. Oui, Sorut, mais dans Splatoon ils l'ont remplacé par le fameux bonus qui fait que... Ça c'est... Je trouve ça mais... aberrant. Le bonus de... Tu sais le bonus qu'il faut que tu aies sur ton équipement qui sert à rien en partie normale, mais si tes mates te leave, alors t'as un bonus. Du coup, par rapport aux autres bonus que t'as sur toute la game, il faut que tes mates livrent en début de partie pour que le bonus soit rentable, en fait. Du coup, nick. Non, c'est vrai que les IA dans Splatoon, ce serait pas mal, en vrai. D'autant plus qu'il y en a, je pense, on les remplacerait, ça se verrait pas. Ou alors, ça se verrait justement parce qu'ils joueraient mieux, tu vois. Ils arrêteraient peut-être de repeindre la map. Ils arrêteraient peut-être. Pas facile, hein. Il fait quand même vraiment chaud ce soir. Si tes mates live, mais quand tes mates meurent, le bonus prend effet. Ah, ça marche ça. Ok. Demain ça va être pire. Ouais, demain ça va être affreux. Demain je sais pas comment je vais faire. Attendez-vous peut-être les viewers à ce que le stream de demain saute si vraiment il fait trop chaud. C'est le risque. C'est le risque. Persona c'est pas un jeu, c'est pas un jeu PC donc mon PC tournera pas trop. Mais pire idée de faire ça, c'est ça. Pire idée. Yes. Mais attendez-vous peut-être à avoir une annihilation passée.
c'est le risque. On va être à 40 à Lyon demain, donc bon. Robert Lagotine, tu arrives sur la bien mauvaise nouvelle en plus. Désolé pour toi. J'ai mon pic de chaleur aujourd'hui. Putain, Lucky. Tarimou, tu m'as ruiné. Ah, je savais pas ça, Sorut. Demain, on va oublier de chaleur pour les transports en commun. De quoi? Ah, chez toi, Curie. Ce bon m'a vraiment ramené une pièce, là. Ah là là, mais c'est horrible. Yumu et moi, on se bat à coup de... Oh, à coup d'item cheat. Hein? Elle s'est auto-eu avec son éclair? What the fuck? What? Attends, quoi? Comment? Oh là, mais moi, j'aurai tous les items, quoi. Je comprends pas ce que je vois, les viewers, en vrai. Je vous avoue que... je comprends pas ce qui se passe. Bah... What? Le petit bus TER à 37 degrés. Ah merde! Tu vas où? C'était une étoile. C'est pas toi la Splatoon chick? Tu rentres chez toi. Parce que t'es où maintenant, Curie, toi? J'ai oublié. T'es à Lille. C'est possible qu'ils mettent pas la clim à cause du virus. Bah non, c'est boys. Dans un bus, ça fait sens, par contre. Le tram demain en pleine canicule, j'ai tellement hâte. Ah ouais, ouais. Ça se passe comment à Bordeaux, noir, avec le Covid? Je déteste cette course. Elle est horrible, je trouve. Ah non. C'est pour ma gueule, voilà. Et là, c'est trop tard. C'est terminé. J'ai plus de pièces. C'est fini. C'est fini. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là, mais... Il y a des adhérences bizarres un petit peu, non? Bon, attendez. On va se reprendre, on va se refaire. Pas du tout. On est à la fin de la course déjà, là. Aucune raison qu'on se refasse. Aucune chance. Certainement pas avec ces items-là, en tout cas. On va se couvrir. Sortez couverts, les enfants. C'est pas fini. C'est fini. Pouf! Tu dérapes trop près du bord. Je pense, ouais. Dans les bus, là. Dans pas tous les bus, il y a la clim pour ma part. Le Covid n'existe plus à Bordeaux, c'est un truc de baiser. Ah ouais? Putain, mais c'est ouf ça. Comment ça se fait? Dans la tête des gens ou... Mais non, en plus le sud-ouest, en plus c'est... Vous avez plein de trucs en Aquitaine là. Avec tous les mariages de la con qui se font là.
La clim dans les bus était fenêtre ouverte, mais comme ça souffle très peu dans les bus, bah... Oh putain. Dans le miroir d'eau, tout le monde est collé, pareil pour les bars. Ouais. Je vais me coucher. Bonne nuit, Sorut. Bonne nuit, merci d'être passé. Après, tu vois, je pense que c'est bien que les gens, tu vois, genre, retournent dans les bars, etc. Mais, je sais pas comment dire. Tu vois, genre, pas autant. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait un peu cringer, perso, mais après, c'est... Vous avez la vie d'un mec qui porte un masque au bureau, vous savez, ce genre de dégénéré, là. Forcément, j'ai un avis biaisé. Qui vient tout droit d'un cerveau délirant, hein. Alors, attendez... Non mais parce qu'un bar c'est sympa de temps en temps. Vraiment je dis pas hein. Genre une petite bière en terrasse etc, c'est chouette. Bon après en ce moment c'est la canicule, donc bon c'est con, mais encore une fois ça reste un ami perso. Ton masque en antenne 5G, en antenne 5G qui te lave le cerveau. Exactement, voilà c'est ça. Et attendez. Yes. Ah j'ai réussi à retenir quelqu'un en plus. Putain je suis un génie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon, tout va bien. Je suis back in the track. Oh, l'échec. J'ai dépensé mes idées de tard. Putain, j'ai quand même eu... J'ai quand même eu... Ah, what? What? Ah oui, c'était un fantôme, ok. D'accord. Il va me cut avec un champi. Sale histoire. Sale histoire, il a failli. Ah, le port du masque sous 40 degrés, ça peut devenir dangereux pour certaines personnes. Non mais oui, bien sûr, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on ne demande pas de le porter en extérieur. Le combo masque et chaleur me fait mal à la tête. Oui, non, je sais, mais c'est pour ça. En ce moment, en fait, les viewers, du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que vous sortez? En plus. Du coup, tu vois. Globalement, qu'est-ce que les gens foutent dehors alors que chez eux, ils sont à l'abri de la chaleur? Merci, Ron. Globalement, qu'est-ce que les gens foutent chez eux alors que dehors alors que chez eux ils sont voilà. Bah pour bosser. Non mais pour bosser c'est pas pareil, Ron. Pour bosser c'est pas pareil. Globalement t'es pas censé mettre ton, enfin t'es pas censé. T'es pas obligé de mettre ton masque dans la rue. Pour un stage de dessin. Eh ben tu vas en intérieur après, donc tu mets ton masque en intérieur. En fait, ça sert à rien d'avoir le masque dans la rue si vous l'enlevez en intérieur. Tramani, c'est une place sur deux et tous les masques... Voilà. Non, mais alors ça, c'est très bien, ça, tu vois, par exemple. Ah, j'avoue. J'avoue, Noir, c'est l'enfant. Oh, putain, cette course de cul. Vous allez voir, je vais me manger tous les trous, là. Je déteste cette route. Je déteste cette route. Je la déteste. C'est vraiment de la haine. Je sais pas qui c'est qui a voté ça, mais... Chaque fois, hein, c'est la baise. Hein. En fait, il y a ces petits trous là et on sait pas ce qu'ils foutent là. Ce jeu, c'est un remake d'un circuit GBA. Donc, c'est une super bonne idée à la base. Sauf que bah, les circuits GBA, ils étaient plats. Et là, ils ont décidé de le faire en 3D. Et donc, ils se sont dit, putain, la route fromage, on va mettre des trous dedans. On va mettre des nids de poules. Parce que tous les joueurs, tous les conducteurs adorent rouler sur les nids de poules. Et tous les joueurs de jeux vidéo adorent les trucs de conducteurs. Donc, on va leur mettre des trous au milieu de la route. Ça va être un kiff sans nom. Bon là c'est moi là. Ma faute. C'est con parce que hors ça ce stage il a vraiment une musique délirante, une ambiance géniale. Mais il a ses nids de poules à la con quoi. Vraiment ça c'est vraiment de l'anti-level design quoi. On doit faire une mission d'escorte sur cette map. C'est-à-dire une mission d'escorte.
potion aussi. Hein. C'est normal que je me mange ces bananes. Hein? T'as lâché ma gâchette? Plus gros hold-up de tous les temps. Ah, sur ce, enfin, je vous laisse. Je suis crevé. Comme jamais, je vous souhaite une bonne fin de stream et des bisous. Bonne soirée à toi, Noir. Dors bien. Des oies, Yomo. Des os. Comme ça, tout ce qu'on préfère dans le jeu vidéo, Rini. Exactement. Désolé à Yomo. Puis en plus, là, c'est vraiment du vol parce que tu m'aurais égalisé sur le classement. Et là, je concrétise une deuxième place volée. Vraiment désolé, quoi, Yomo. Dans la rue, à part s'il y a beaucoup de gens, je mets pas mon masque, mais en intérieur, c'est logique. Exactement. Exactement. Tant plus qu'en intérieur, aujourd'hui, t'as beaucoup de lieux qui sont climatisés quand même, donc globalement, ça coûte pas trop. Ça coûte pas trop. Bonne nuit à toi, en tout cas, Noir. Pas de soucis, Arthur, bonne nuit. Alors... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ce soir? Je suis en train de checker les maps qu'on n'a pas fait. Le château de Bowser, on l'a pas fait? Non! Pourquoi j'ai voté ça? Ça va pas du tout, mes doigts input les mauvaises choses. La NBA reprend ce soir, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Ah, j'avoue, c'est chouette! Sinon, Pocket sur Valorant, le nouvel agent qui arrive mardi à une tourelle. J'ai vu Seb. Je suis au courant pour Killjoy. T'es vraiment en train d'essayer de me racheter comme ça là? Et elle est allemande. Attends, j'ai pas entendu Zubi. Deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je suis désolé, en fait le son est, je pense, un peu trop fort. Je vais me trouver une ligne droite. Ah, c'est qui allemand? C'est le nouveau perso de Valorant. En fait, ces boys essaient de me faire rejouer à Valorant. Elle a tes origines, mais moi je suis pas allemand. Hein. Non mais vraiment, hein. C'est Zuki qui t'a brainwash. Pas du tout, c'est vrai. C'est les jeux auxquels j'aime jouer. En fait, pour moi, le jeu, c'est un plaisir, tu vois. Genre là, Mario Kart, si je me fais latter la gueule, c'est un plaisir quand même, tu vois. Alors que si je joue à un jeu vidéo pour me faire insulter par des gens en ligne, globalement, moi, j'attends pas du tout. C'est Zubi qui l'a quoi? Je sais pas, il a dit qu'il y a brainwash. Valorant, ça peut être pareil. Bah, globalement, pour l'instant, c'est pas trop ça. J'ai pas envie de m'entraîner, enfin de passer des heures sur le jeu avant de pouvoir m'amuser. Juste pas s'arrêter au premier combat. Oh. Est-ce que tu aimes les joues Bruxelles? C'est bon en plus, il paraît dans les deux. Je voudrais en faire ça. C'est vrai en plus, j'ai un collègue qui m'a dit, mais en fait, je joue Bruxelles, c'est mauvais, mais parce que tu devais faire vapeur et que je merde. Mais en vrai, pour entendre que tu dis un truc, en fait, les joues Bruxelles, c'est hyper bon, il paraît. On repart pas là-dessus. Mais non, mais de toute façon, c'est pas une question de. Tu vois, c'est pas. C'est pas. C'est pas une question. Surtout avec Zubi dedans. Ok, ouais, je te laisse. C'est pas une question de pas aimer vos jeux ou pas, c'est. C'est vraiment juste que. Voilà. Désolé, Valorant, j'accroche pas. J'ai essayé et voilà. Pour moi, c'est la concrétisation du fait que sur les PVP online, il y a majoritairement des communes de gens qui ont besoin de se prouver des trucs. Et ça me fatigue.
et ça me fatigue. Donc désolé. Désolé. Prononce Bruxelles, pardon, excuse-moi. Ah ouais? Ouais, certainement qu'elle a pas dû mettre son micro en face. Bonne nuit à toi, Auron. Des bisous. Certainement qu'elle a pas dû mettre son micro en face. Pourtant, les deux micros sont réglés bien comme il faut. Je pense qu'elle a dû mettre son truc. Toi, on t'entend des peu. Ah, par rapport à Zugi? C'est-à-dire que quand elle a commencé à parler, on m'a plus entendu. Hello Jaspo, comment tu vas? La patate? Comment ça se fait? C'est pas possible. Vous êtes encore en train de me donner un faux chat, c'est ça? Ah, non. Ah oui, pardon. Oui. Quand moi je lui parlais. Oui, pas quand elle est revenue ici pour parler avec le casque. D'accord. Oui, non, quand moi je parlais Zuki. Oui. Quand moi je lui parlais. Ouais, j'avais décalé le casque, bien sûr, ouais. En fait, c'est des micros qui sont directionnels de proximité. Donc si je parle à côté du micro, vous m'entendez moins bien. Et si je suis loin, vous m'entendez moins bien aussi. Parce qu'ils sont de proximité. C'est vraiment des micros faits pour être mis dans une bouche. Pour être sucé. Samedi, tu live de 9h à 23h. Ouais, j'ai oublié de reprendre. J'ai oublié de faire la modif. Non, mais c'est parce que je suis planté. En fait, j'ai passé. J'ai fait toute la proc sur mon portable. Et j'ai galéré à écrire 21h, 23h, 21h, 23h. Et quand je suis arrivé à samedi, ça a fait 9h, 23h. Et c'est un joli pet de cerveau, mais ce n'est pas ça. Hein. On est bien sur un 9h mini. Hein. Quand elle a pris son casque, ça n'a pas bougé. Ça veut dire on finit Persona 5. Non. Ah putain, samedi, il n'y aura pas de stream après-midi d'ailleurs, les viewers. Pas de stream bonus cette semaine. Oh là, pire décision de ma vie. Ah. Jeff Kaplan qui fait une AMA sur Reddit. Ah ouais. Jamais trop compris le délire des AMA en vrai. Jamais vraiment trop capté le concept dans le sens où aujourd'hui tu as les moyens technologiques très facilement pour lancer absolument tout ce que tu veux en termes de diffusion en direct. Ça aurait été nice 14h de live. Oui, de live, mais non. Ouais, non, c'est pas possible. Pas possible, c'est une FAQ. Oui, mais en direct, du coup. Ce bruit de klaxon de l'angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas envie de live. Oui, mais t'as envie de répondre à des Ask Me Anything. C'est pas de la moquerie, c'est pas du... Je comprends juste pas. C'est tout, c'est vraiment une incompréhension globalement. Pouvoir mieux réfléchir à tes réponses. Ok. Ok. Et du coup, tu traites de sujets sérieux? Il parle de quoi? Il parle d'Overwatch? Ok. Franchement, je sais pas comment ils vont se rattraper, hein, Overwatch avec Overwatch 2. Hein. En fait, le truc, c'est que je vois même pas comment est-ce qu'une éventuelle hype d'Overwatch 2 pourrait les remettre dans la course. Quoi? Ils ont eu des champignons premier item? Sérieux? Les deux, là? Je comprends rien, Marie, ce soir, les joueurs. Je comprends rien ce qui se passe. Il y a aucune explication rationnelle à ce qui est en train de se passer. Puis alors, moi, je me bump comme une merde. Là c'était l'erreur, le dérapage de trop. J'aurais pu être devant lui alors qu'il est. Tout le monde lui a la joue dans la gueule, hein, c'est pas ça la fin.
On lâche rien. Le circuit Yoshi, je suis à fond dessus. Ok. C'était calculé le coup de la carapace verte qui vient faucher ma carapace rouge et into la carapace rouge là. Ils vont pas se rattraper. S'ils sortent un solo qui tue sa mère. Mais c'est la seule possibilité. Mais les jeux solo aujourd'hui, Curie, ça vaut rien quand il y a un multi à côté, regarde Fortnite. C'est pas passé en standalone d'ailleurs le solo de Fortnite. Enfin le solo, le mode aventure de Fortnite. Moi, je veux dire, faut vraiment être un accroché d'Overwatch pour vouloir faire un. Oh là là, je me suis vraiment fait nico au dernier moment quoi. Tu vas se dire ou pas? C'est l'échec. Bien joué, Imou. Un solo, ça vaut quelque chose. Bah, aujourd'hui, pas en shooter, hein, Curie. Ton Mi, il est énorme. Mon Mi est énorme. C'est-à-dire. Ah, avec sa tête de blasé? C'est vrai que ce Mi, je le remets plus du tout. Ça, si, il me suit depuis des générations, là. Forcément, vu qu'ils sont moins présents quand même sur la Switch, on n'y pense pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ce soir, dis donc? On a fait beaucoup de courses ce soir. Plein de notes, c'est fait, les arts, c'est fait, Prairie-Meumeux, c'est pas fait. Non, la plage, c'est mieux. Il est gros. Ah! Ah ouais. Mais ce que je te dis, c'est si le solo, il est génial. Oui, mais... Je veux dire, en shooter, tu vois, les solos se font pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Genre, un Call of Duty solo, ça se fait plus aujourd'hui. Mais dis donc. Rassurez-vous, c'est normal, hein, c'est le vent qui chie le fond vert. Ah, t'as posé cette question? En même temps, tu poses la question que tout le monde pose, c'est vrai. Il doit en avoir marre, ça doit être trop chiant en vrai d'être dev de jeux vidéo, tu sais, quand... Enfin moi je vois quand mes clients me demandent où est-ce que j'en suis sur mes développements et tout, je trouve ça très relou parce que t'es sur ton boulot et vraiment c'est très chiant quand on vient te demander où est-ce que t'en es alors que t'es en train de galérer, tu vois. Et je me demande à quel point les devs de jeux vidéo sont saoulés par ça, tu vois. C'est quand que ça arrive, c'est quand, tu peux travailler plus vite. Quelle horreur, mon dieu. Quelqu'un l'a fait, j'aurais jamais marqué thanks everyone for making a fun game. Ah oui, voilà. Tu vois, c'est là qu'il y a notre divergence sur les points sur les intérêts du jeu vidéo, ça boys. C'est que j'ai l'impression que pour toi le fun dans un jeu, c'est pas nécessaire. Putain de. Quelle idée ils ont eu de faire un silence radio, mais moi je conduis si mal. Ah putain. C'est juste que Overwatch c'est pas fun. Mais non. Ah oh là là, Ayumu qui s'est timé ses champignons sur ce terrain alors qu'on m'a pas du tout. Oh ce vol! L'aspect compétitif peut être fun, tu sais, sur Watch, ils ont réussi à rendre ça horrible. Ouais, je sais pas. Sûrement. Eh bien, énorme médaille d'or, hein, incroyable. Il a fallu que nous ne soyons plus que trois, mais j'ai réussi. Je voudrais remercier ma maman qui m'a permis d'être là. Mais également tout le public qui nous regarde.
Enfin bref, voilà. Les fun games. J'avais pas vu, mais Bernagotine, tu as dit que mon mi était gros et pas forcément beau. Horrible. C'est très sympa, ça envoie ce soir. Big Blue ou plutôt Mute City? Plutôt Mute City. Ah mais ils ont voté Big Blue les deux. Ah, d'accord, ok. Reste que je pense qu'on peut sortir un FPS solo d'excellente facture et faire des ventes dessus. C'est possible, Curie, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas trop. Je suis gentil à s'incarner, oui, je sais, ouais. Bon, c'est bon, ils ont une Big Blue. J'ai du mal avec cette idée, Curie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs solo attendent des open world. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs solo attendent du QTE. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs solo attendent de la découverte. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'un FPS peut leur promettre. Tu vas se le dire ou pas? Vraiment, j'ai mangé cette banane là? Putain, mais vraiment mon gameplay est pas bon. Oh là là, ça ne va pas du tout. Je les ai cutés, tellement fort. Hello Tom, merci pour ton raid, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à tous, merci Tom pour ton raid, comment vas-tu? Tu peux refaire ça avec Overwatch. Tu crois vraiment que Overwatch serait le genre de jeu qui te sortirait un... Vraiment là? Tu crois vraiment qu'Overwatch serait le jeu qui te sortirait un solo open world? Tu crois vraiment qu'il ferait ça? Pour l'instant, ce qu'ils ont annoncé, c'est du mission mode. Hein. Vraiment là? Bienvenue à tous ceux qui arrivent de chez Tom. Comment ça va, Tom? T'étais sur quoi ce soir? Je crois que j'ai vu ton tweet, mais j'ai pas dû interagir avec. Enfin bref, et le mode mission, du coup, tu vois, bah, globalement, c'est ce qui faisait la qualité des anciens Call of Duty, notamment, et des Battlefield. Battlefield, d'ailleurs, c'est encore pas mal ça, je crois, sur leur solo, non? Et globalement, c'était des jeux qualitatifs. Mais je pense que c'est des jeux qui sont aujourd'hui plus très demandés par le public. Je pense qu'aujourd'hui, le online, l'accès à outrance au online et l'attrait du jeu compétitif fait que les gens veulent voir ça. E-sport avant jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui veulent du jeu solo, du coup, vont plus sur des jeux qui sont justement très éloignés de l'aspect compétitif, du coup. Les campagnes de code, elles sont juste... Ça existe encore? Il y a encore un mode campagne dans Call of Duty maintenant? La dernière que j'ai en tête, c'était Press F to pay respect, mais ça a peut-être évolué du coup depuis. Il y a de la campagne solo. Incroyable. Putain, j'étais persuadé que c'était uniquement du online code. J'ai encore rien vu du jeu et je veux croire que Seb aura réussi à briser sa malédiction. Ah moi je lui souhaite tout le bonheur du monde, Sebwayz. Après, c'est quand même pas vraiment garanti que Overwatch est un mode open world. Mais il n'y a pas forcément qu'un open world pour réussir, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est que je suis pas en train d'essayer de te convaincre qu'Overwatch 2 sera un mauvais jeu, Curie. Je suis juste en train de te dire que je pense qu'Overwatch 2 ne se vendra pas grâce à son mode solo. Je lirai Bernagotine, pour moi ça s'était arrêté à Modern Warfare 2.
Et je m'en sors pas si mal sur ce Mute City là. Hein. Moi je dis on sait pas. Peut-être que l'avenir me donnera tort, Curry. Le jeu vidéo est un monde étonnant. Sur un rien, ça passe. Oui et non, Curry. Oui et non. Oui et non. Le jeu vidéo, c'est un monde qui est de plus en plus codifié et j'ai eu que des champis. Bah moi, j'ai eu que des... J'ai eu que des pièces. Je veux dire, Sonic, avec un design niqué, il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Vécu... Bon. Vécu, mais sur respirateur, quand même. J'avoue que Sonic 2006, c'est quand même vraiment bizarre que ça ait pas tué la licence, hein. C'est quand même incroyable, c'est prodigieux, comme dirait Arthur. On voit Sonic, on voit la 3D, mais c'est un goût de merde. C'est prodigieux. Et ouais. Non mais en vrai je sais pas, Curry. En vrai moi je lui souhaite de réussir Overwatch. Mais là, au vu de la config actuelle du marché, je lui pressens pas un très gros avenir. Même en OD, Sonic, je trouve pas ça ouf. Après, c'est un style de jeu que t'aimes ou que t'aimes pas, tu vois, pour le coup, globalement. Le coup du platformer un peu en time trial. Bon, j'avais beaucoup aimé la série des Sonic Advance. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai découvert Sonic avec Advance à l'époque. Et vous avoue, quand je suis repassé sur les vieux Sonic, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Les Sonic Advance sont géniaux par contre. Sonic Advance, Sonic Rush, vraiment des très bons jeux. Overwatch 2, précurseur du retour du FPS Mission. Mark my word. Ok. Et oubliez si ça se vide. Franchement, je leur souhaite, hein. Je leur souhaite. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est d'avoir un Overwatch 2 avec un mode mission tellement génial que dans un an, je suis en stream sur Overwatch 2 avec Sebways en vocal. Bien évidemment, on va pas jouer en compétitif, mais à jouer en PVE et avec Seb qui m'explique absolument tout le lore d'un air absolument passionné. Et moi, je suis en mode putain, mais c'est vraiment génial. Ils avaient tout prévu depuis le début, c'est insane. Franchement, on avait ça tous les yeux depuis le début et c'était incroyable. Et c'est ça le problème. C'est que tu seras pas en vocal avec moi. D'ici un an. Ah non, si par contre là, c'est vrai, ils peuvent pas sortir ça maintenant. S'ils le sortent maintenant, c'est un échec à cause de Valorant. Ah bah oui, non par contre, s'ils sont malades au point de sortir ça maintenant là, c'est leur souci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais tu vois ce que je veux dire, s'ils sont tarés au point de sortir Overwatch de maintenant, c'est leur problème. Ça va encore plus mourir. Non, parce que la hype, c'est boys, elle est assez commerciale. S'ils laissent le jeu retomber un petit peu, etc., qu'ils font la sourde oreille pendant un petit bout de temps, Valorant t'a pas fait tant de dégâts en vrai. Non, mais Valorant rajoute une concurrence. Ça a plus affecté CSGO qu'Overwatch. Ouais, CSGO en même temps, ils avaient un coup dans l'aile depuis un petit bout de temps. CSGO, ils faisaient la gueule. Enfin, le jeu était passé en F2P et tout, en F2P. En free to pay! Mais rassurez-vous. Buried Born, ça a bientôt tout rasé. Je ferai un stream sur ce jeu un jour. Les devs de CS se sont réveillés quand Valorant est sorti. Classique! Un TF3, ça niquerait bien Overwatch. True. J'en ai parlé au début du stream, Seb. Je me suis trouvé un jeu mobile, je suis juste content, c'est tout. Un bon jeu mobile. Un très qualitatif. Très qualitatif. Buried Borns.
Mais pourquoi tu dis Omega Lul alors que ton jeu préféré c'est Pokémon Go, c'est Boys? Et un peu de cohérence dans ton discours s'il te plaît. Non, c'est un jeu qui est très sympa, qui fait très RPG rétro. Avec des mécaniques de... de roguelike. Et de RPG. Ça rend vraiment vraiment bien, le jeu est bien foutu. Pas toujours négatif Omega Lul. Ah bon? Ok. Bon, est-ce que je peux juste te dire du coup le point de vue de ton interlocuteur? C'est que quand tu dis Omega Lul, j'ai souvent l'impression que tu te moques. Avec. Oui, pardon, Lul, pardon, excuse-moi. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais je comprends. Mais du coup, je comprends aussi que ça puisse s'interpréter. Oui, bien sûr, quand on fait une blague drôle, hein, Lul, c'est autorisé, bien évidemment. Bien évidemment. C'est ça qu'il y en a plein sur les streams. Les streams de Curry sont blindés de Lul. On l'appelle la Lul. On appelle d'ailleurs sa chaîne la Lul Télévision. Ah, sérieux là? Ah, la haine! Ah, la haine que je me prends là! Ah, j'ai vraiment la haine! Putain, mais Ruby, il m'éclate la gueule! Il m'éclate au sol! Attendez. Ça se bat là, hein. Ça se bat sévère là. Oh putain, c'est Ayumu qui veut bouffer. Désolé Ayumu. Bon, je vais pas rater ce virage pour la troisième fois de la course. Si. J'ai menti. Je pleure pour toi. Je fais éclater la face. Attends. Ah là, c'est raté. Ah, c'est raté. J'aurais dû cut avec ce champignon. J'ai été bête. Je sais pas pourquoi j'ai pas analysé, j'ai pas cut. Overwatch Team, hey, we're doing Anama, also Overwatch Team. We will be answering questions about the current state of Overwatch and history over the past 4 years, so please no future questions. Ça, c'est Omega Lul. Je suis pas dernier, you. Bien wesh, Ruby. Bien wesh, attends, j'ai pas compris. Nous répondrons aux questions à propos de l'état actuel d'Overwatch et de son historique. Non, history, c'est. Histoire. Nous en parlerons donc, ne posez plus de questions. D'accord, ok. En gros, ils sont en mode. On en parlera après. Bon. Écoute, pas de réponse sur Overwatch 2. Mais en même temps, je te dis, je pense qu'en ce moment, il serait bien mal avisé de faire les malins. Actuellement, je pense qu'ils seraient bien mal avisés. Tu vois, genre, ils sont vraiment dans un. Le jeu est vraiment dans un état où les gens se plaignent et où ils ne se sentent pas écoutés. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est très bizarre, ça m'a chatouillé. C'est très très bizarre. Voilà, voilà. Bon, les viewers, il est 23h. C'est l'heure d'aller au dodo. Ou l'heure de raider quelqu'un. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid ce soir? Je vais checker dans ma liste de streamers que je raid. On va aller raid Zerator, je pense. Non, on va aller raid Aishu. On va aller raid le poteau Aishu. Il est sur quoi? Il est sur Carillon. Voilà, on va lancer un raid chez Aishu, les viewers, pour finir la soirée. N'hésitez pas à rejoindre. Je connais pas le jeu qu'il est en train de raider. Je pense que je resterai pas très longtemps chez lui, personnellement, je vais aller au lit. Mais allez-y, vous, si vous voulez passer une bonne nuit. Bonne nuit à vous, Aishu, un streamer super quali, hein, une personne très sympa. Franchement, allez voir, je vous le dis, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil ce qu'il fait, Aishu. Il a même, à un moment, il a failli reprendre le titre de champion Ring Fit. Pour vous donner un ordre d'idée du mec que c'est, quoi. Ou l'heure de souper, tout à fait, Jaspso. Bonne soupe. Bonne sous-soupe, Jaspso. Des bisous à tous, on lance un raid. Et bonne nuit. Ciao, ciao. Hop, c'est lancé.